Bonjour Jean-Luc Chomeil. Bonjour. Vous êtes-vous à l'origine, disons, des enquêtes sur cette affaire depuis une trentaine d'années, et à l'origine du roman ou du mythe qui aboutira 40 ans plus tard à ce livre, il y a un personnage étonnant, Pierre Plantard, dit Pierre Plantard de Saint-Clair, grand maître du prieuré de Sion et descendant des rois mérovingiens, bigre. Et partant de Jésus-Christ, comme nous le verrons. Alors, M. Plantard est décédé, sinon nous l'aurions invité sur ce plateau. Il est décédé en l'an 2000, c'est un monsieur qui était né en 1920. Mais heureusement, l'un d'entre vous l'a rencontré, Jean-Luc Chomeil. Vous l'avez rencontré il y a 30 ans, je disais tout à l'heure 30 ans, dès 1973 ou à peu près, vous avez rencontré Pierre Plantard. 1970. 70, alors donc encore un peu plus loin. Et qui était Pierre Plantard ? Parce qu'on verra le rôle qu'il joue dans cette affaire. Pierre Plantard était un homme habillé en costume trois pièces, style 1930, une sorte de Mad Max, un médium faisant tous les métiers du monde, ne vous regardant jamais les yeux dans les yeux, l'œil fuyant, et sortant les documents de ses poches, de son chapeau, d'un peu partout, dessous la table avec une facilité exemplaire. Pour vérifier ses dires, il fallait à la fois retrouver ses anciens amis, voir où il avait habité, notamment à un moment il avait habité au 35 avenue Victor Hugo. Et là il disait qu'il habitait au deuxième étage chez le comte de Bueil. Quand je suis allé voir la concierge en 1970, je me suis aperçu qu'il habitait en fait au quatrième étage dans une mansarde. Voilà le personnage. Il naît à Paris, il est d'une famille bretonne, son père est valet de chambre, c'est pas un mal, il est d'une famille modeste, mais il a une ambition, c'est qu'il veut devenir prêtre. Et je crois que ça c'est l'un des premiers traits de caractère de Pierre Plantard. Il veut être prêtre, il ne sera pas prêtre parce qu'il a une éducation assez modeste, mais il deviendra sacristain à la paroisse Saint-Louis-d'Antin avec son collègue Francis Sado. Et c'est là que va germer, entre 1939 et 1943, l'idée de l'association du prieuré de Sion. Bon, alors on a dit que au moment de la guerre, puisqu'il a à peu près 20 ans, en 1940, au moment de la guerre, il était pétainiste, on dirait comme beaucoup de gens à l'époque, et il était même un peu plus que simplement pétainiste, il était carrément collaborationniste. Est-ce que c'est exact que... Alors c'est pas tout à fait exact, on a les rapports des renseignements généraux, notamment parce qu'il passait son temps à vouloir attirer l'attention sur lui. Il avait envoyé des tracts de Bretagne, il s'appelait à l'époque Pierre de France, ou Varens Vincestra, allusion à Maurice Barrès et à Vincras. Donc c'est quelqu'un qui veut attirer l'attention sur lui. Il est dans une période critique, et il commence ses associations avec l'association Alpha Galate. Pour ce faire, il a un petit journal qui s'appelle Vaincre, et dans ce journal, il va se servir de noms connus et célèbres, à savoir le professeur Louis Le Fur, à la faculté de droit, le professeur Lecomte Moncharville, à la faculté de droit de Strasbourg. Mais alors, ça c'est un deuxième trait de Plantard, il va les faire parler après qu'il soit mort. Et ça va être le cas pour le comte de Moncharville. Et là, c'est très important parce que le comte Moncharville, il va dire dans la revue Vinc, notamment en 1943, que c'est lui qui lui a donné le flambeau. Alors, en créant l'ordre Alpha Galate. Le problème, c'est que le comte Moncharville est déjà mort, comme on a pu le vérifier dans sa biographie à l'université de Strasbourg. Ce qui fait que, déjà, il y a un mensonge qui est récurrent. Et une technique qui va revenir par la suite, on fait parler les morts. C'est un personnage ambigu, mais qui est de l'époque. Il écrit aussi au maréchal Pétain pour attirer l'attention et envisager un complot judéo-maçonnique. Et il fait, dans l'article 7 de la première association fantôme, qui n'existera jamais, l'association Alpha Galate, l'article 7, il dit l'ordre
est interdit au sujet juif et maçon. Oui, donc c'est quand même, je dirais, c'est pas. Il y a beaucoup de gens qui étaient, je dirais, péténistes, mais ils n'étaient pas tous antisémites et collabos. L'ambiguïté, c'est que un peu plus tard, c'est-à-dire 10 ans plus tard, il va se marier avec Anne Léa Isler, qui est d'origine juive. C'est plutôt quelqu'un qui veut attirer l'attention sur lui. Oui, il veut faire parler de lui. Entre 1939 et 1944, il va se servir de la mode. Une mode regrettable, bien entendu, mais par exemple, les statuts d'Alpha Galate seront traduits en allemand. Vous les avez à la préfecture de police. Bon. Mais là aussi, il aura quand même 4 mois de prison par les Allemands parce qu'il veut restaurer la chevalerie française. Je reviens sur la période de Sacristain. Le problème, c'est que, et là c'est un deuxième trait de Pierre Plantard qui est une clé, c'est qu'il va perdre la foi. Et à partir de là, il veut, alors peut-être au contact de ses collègues, peut-être à la paroisse Saint-Louis d'Antin, peut-être avec le deuxième sacristain Francis Sado, il va perdre la foi et ça va transparaître dans ses écrits. Et ça, c'est important. La troisième clé, c'est Philippe de Cherizet, c'est-à-dire qu'il va rencontrer un véritable marquis avec 14 quartiers de noblesse, qui est un marquis non pas désargenté, au contraire, qui a une très grande fortune de par ses parents, mais qui est mis à la porte par ses parents. Un petit peu désavoué par sa famille. Et qui était un ami qui est un comédien de série B, qui jouera tantôt les prêtres, notamment dans un film à Saint-Tropez, tantôt un commissaire de police. Mais bon, c'est quelqu'un qui est très érudit, mais bon, il a aussi un désavantage. C'est qu'il a un penchant consommé. Il force un peu sur la bouteille. D'accord. Et mais cela étant dit, l'imagination est décuplée d'autant. Et le troisième personnage est un journaliste, un excellent conteur, une très grande plume. Non, mais un journaliste qui a effectivement été à l'AFP. Travaillé à l'AFP, mais qui lui aussi vient de se faire foutre à la porte de l'AFP, se retrouve au chômage et travaille à Gisors, chez un de ses amis, dans une ferme. Et là, pour se remettre, il va écouter les légendes locales et il va faire un papier sur Gisors, sur la commanderie de Gisors, donc à 87 km de Paris, Gisors situé dans l'Eure. Le château anglais est plus anglais que français. Les Templiers ont vécu 2 ou 3 ans à Gisors, mais ça, c'est pas grave. Enfin bref, on va dire grosso modo, là, c'est vraiment la première histoire. Il va faire un papier en disant que le trésor des Templiers et dans une crypte de la chapelle Sainte-Catherine, sous le donjon de Gisors, etc. Mais avant, il va faire ce papier dans un journal local, Paris-Normandie, je crois. Et évidemment, Plantard va lire ce texte. Et il va écrire à Gérard de Sède. C'est comme ça qu'ils se connaissent. Toujours l'œil de travers, le côté médium. Il ne faut pas oublier que Plantard a aussi été, sous le pseudonyme de Chirène, un voyant qui a exercé ses talents à Aulnay-sous-Bois pendant quand même de nombreuses années. Et il va faire comprendre à Gérard de Sède, je sais tout, je suis l'éminence grise, je sais pourquoi il y a un trésor des Templiers dans la chapelle, dans la crypte de la chapelle Sainte-Catherine, etc. Et ce qui est intéressant dans Gisors, c'est que il y aura un certain nombre de dossiers apocryphes qui seront déposés avant les livres, avant le trésor des Templiers de Gérard de Sède, avant l'Or de Rennes. Il y aura un certain nombre de documents apocryphes qui seront déposés au dépôt légal rue de Richelieu à la Bibliothèque nationale, faisant à croire la généalogie des Romains mérovingiens, etc. Et dans l'un de ces dossiers, on dira les archives du prieuré de Sion sont dans la crypte de la chapelle Sainte-Catherine à Gisors. C'est là qu'on trouve la première trace, si on peut dire, c'est la première du prieuré de Sion. La première trace est à Gisors. Et là, il y a eu un travail de sape, parce que, bien évidemment, une chapelle sous le donjon enfouie son terre n'est pas crédible. Déjà, il y a une polémique qui enfle. Malraux entre en scène, envoie le génie avec le colonel Lefebvre, et ça prend de l'ampleur, et les Templiers sont parmi nous, deviennent un best-seller. Mais ils ont fait un travail de sape, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est qu'ils ont fait un travail de sape, c'est que la chapelle Sainte-Catherine, elle existe bel et bien, elle est à 500 mètres de là, elle est à côté de l'église, et mais malheureusement pour eux, elle a été fondée en 1522 par les seigneurs de Flavacourt, c'est-à-dire 200 ans après l'ordre du temps. La méthode, c'est qu'ils ont enlevé
des bibliothèques de Louviers, par exemple, tous les textes concernant la chapelle Sainte-Catherine. Ça, c'est important. Ce qu'il faut dire, c'est que dans l'association du prieuré de Sion, en 1956, à Annemasse, c'est que cette association est composée de 4 personnes. Oui. Le président est M. Pierre Bonhomme, le secrétaire est Pierre Plantard, mm-hmm. tout court d'ailleurs, à l'époque, mm-hmm. il s'appelle Pierre Plantard. Il est encore court. Plantard, non oui. anobli. L'autre trésorier s'appelle De La Haval, et enfin, il y a un certain M. De Fagouis, donc ils sont 4. Et alors, dans cette association, si vous voulez, tout simplement, ça s'appelle Association du Prieuré de Sion, parce que le Mont Sion est situé entre Annemasse et Annecy, et que l'association est chargée de veiller aux intérêts des HLM du quartier de Sion. C'est tout. Dans les autres associations, Plantard faisait organiser des colonies de vacances à Plétain-les-Grèves en Bretagne. Là, c'est pareil. Et c'est tout. Donc, c'est une c'est pompeux. On l'appelle chevalerie catholique, etc. Ce qu'on peut dire sur un château, c'est que Corbu, effectivement, veut vendre son restaurant. Donc, il brode, il fait un petit texte où il invente la première. Ça, on est encore dans la fabulation, là. Le trésor de Blanche de Castille, il a envie de vendre son hôtel. Donc, ça lui sert de marketing. Alors, là-dessus, Plantard arrive et Plantard commence par s'immiscer un peu partout. Et de cède, en bon technicien, il manque quelque chose à cette histoire. Il faudrait trouver des parchemins. Et alors là, Plantard dit, mais les parchemins, il y en a. Alors, on va dire, les parchemins, les originaux, ils ont brûlé en 1940 dans l'église, parce qu'il y a eu un incendie dans la mairie, parce qu'il y a eu un incendie de la mairie. Et là... Et c'est là où il y a un compartiment très cloisonné entre Pierre Plantard, Philippe de Cherizé et Gérard de Sède. Plantard va dire à de Cherizé, tu me fais les parchemins et tu les envoies à de Sède. Alors qu'est-ce que va faire, Cherizé ? Cherizé va chercher un tas de choses. Il va prendre le dictionnaire de la Bible de 1895 de Fulcran Vigouroux. Et il va tomber sur un parchemin que voici, qui est un... Montrez-le bien, là qu'on le voit bien. Qui est un texte du codex Bézaé, qui est dans le Vigouroux. Dans le fameux dictionnaire, non ? Le fameux dictionnaire. Et il va en prendre une petite partie, il va faire un message, il va coder un message, hein, et ce message, il va prendre les lettres dans un chapeau et les rajouter... entre chaque lettre du parchemin. Et on va donc dire, l'imprimer et dire que c'est un parchemin secret, etc. Alors que, ils ont naturellement, ceci a été analysé par des experts. C'est quelque chose qui a été très, très, très bien fait. Parce que, outre ce parchemin, il y a aussi le grand parchemin qui est un amalgame de plusieurs évangiles. Et là aussi, on fera la même chose, c'est-à-dire qu'on va coder un message. C'est-à-dire que finalement, la première période, ce qu'il faut bien distinguer, c'est que la première période est un jeu surréaliste. Oui. Entre Gérard de Sède, qui appartient à la main à la plume, qui l'a mis d'André Breton, entre Philippe de Cherizé, qui aussi est dans les cafés surréalistes de la gare Montparnasse, et Pierre Plantard, qui est un personnage hors du temps, le Mad Max de l'histoire, c'est un jeu à trois. On peut déjà dire une chose. C'est qu'on a appâté les gens à Gisors, à Aisne-le-Château avec des histoires de trésors, qu'on a fait de la propagande pour une société secrète, fantasque, qui n'existe pas. Le prieuré de Sion. Et on a démontré que le prieuré de Sion n'existait pas. À partir de là, c'est le prieuré de Sion qui est chargé de protéger les Mérovingiens. C'est fini. Oui, mais enfin, comment ils vont faire ? Comment Alors, ce qui va se passer, c'est simple. C'est que en 1980, Henry Lincoln, Richard Lee, Michael Badgett. Là, il faut être précis parce que sinon les gens vont pas comprendre. On a parlé déjà d'une sorte de trilogie que j'appelais tout à l'heure les pieds nickelés. On va voir quelque part arriver dans les années tout début des années 80, 82. Un autre trio. Là, ce sont des Anglais. Et c'est intéressant parce que on est quand même dans une culture anglo-saxonne. Anglais, Henry Lincoln. Alors, ces trois s'appellent Henry Lincoln. Le néo-zélandais. C'est quoi ? C'est un historien. Alors, Henry Lincoln, mais non, c'est un acteur de série B, comme Philippe de Cherizé. Il a joué dans Bayard. Vous pouvez retrouver ça dans les années 60. Il a fait un documentaire sur Aisne-le-Château,
un petit documentaire de 12 minutes. Vous avez Michael Bajan, qui est un néo-zélandais, qui lui est un personnage qui, sur le plan de l'histoire, s'y connaît bien, mais il est obnubilé par les manuscrits de la Mer Morte, et déjà il va fantasmer là-dessus. Et puis alors après, il y a ce qu'on appelle un novaliste, c'est-à-dire l'américain Richard Lee, qui lui a écrit sur Dracula. Lui, c'est un romancier américain. Et ces trois-là vont se mettre ensemble, vont me contacter, parce que j'ai déjà publié un certain nombre de choses, et veulent à tout prix rencontrer Plantard. Ah, ils veulent faire le lien avec Plantard. Ils veulent à tout prix rencontrer Plantard. Et ils savent très bien que toute l'histoire est fausse. Aussi bien Gisors, Rennes, le château, le prix Grissin. Ils le savent très bien. Pourquoi ? Parce que pendant 6 mois, une journaliste anglaise qui s'appelle Jania McGee-Levray va faire pour l'agence de presse SIPA Presse International un long avec moi, un article sur les dessous du prix Rétion et l'histoire de la lignée, mais entre guillemets, mérovingienne. Donc ils savent très bien que toute l'histoire est fausse. Mais ce qu'ils veulent, ils veulent voir Plantard. Et là, ça va mettre au moins 2 ou 3 mois. Parce que Plantard n'aime pas trop les Anglais, entre guillemets. Il va se faire. Il va jouer la star, il faut bien le dire. Ça va se passer dans une salle de cinéma privée, une salle de projection privée aux Champs-Élysées, dans un décor fantastique. Il y aura un groupe français et un groupe anglais. Le premier, Richard Lee, avec le blason des Habsbourg, va arriver et puis va saluer Plantard en lui disant « Bonjour Majesté », au même moment s'effondrer par terre parce qu'il a raté une marche, tout simplement. Enfin bref, les autres vont reculer, comme dans Le Parrain, presque la main sur la veste. Enfin bref, ça va se passer comme ça, et Plantard sent très bien qu'il y a un danger. Mais les Anglais veulent à tout prix interviewer Plantard. Ils veulent lui faire dire, ce sera les premières questions de l'interview, « Je suis le dernier roi mérovingien, je suis le grand maître du prieuré de Sion », ça va durer 12 heures. Et ça se passera chez moi, rue du Roi de Sicile, dans une galerie surréaliste, celle de ma mère. Ça va durer 12 heures. Et on va lui demander, mais qu'est-ce qu'il y a de si important que ça? Qu'est-ce que les mérovingiens, Lincoln va lui dire, mais pourquoi c'est si important que ça? Et Plantard va hésiter. Là, ça va durer 1 heure et demie, il y aura 12 plans, parce que les mérovingiens ont fait la France. Voilà. C'est ahurissant de banalité et de contre-vérité aussi, à savoir que... mais ils l'ont fait dire. Ils lui ont fait dire, je suis le dernier roi, je suis le roi perdu, et je suis le dernier des mérovingiens, et je suis le grand maître du prieuré de Sion. Derrière lui, on placera, pour les besoins de la cause, on placera un dessin de Jean Cocteau, qu'on avait trouvé dans une galerie voisine, et pour faire croire aussi avec le... Ouais. Voilà. Mais donc, c'est les Anglais qui vont donc faire le lien avec Jésus. Et alors les Anglais vont rajouter une seule chose. Parce que c'est quand même le missing link, voilà. Ça, le chaînon manquant pour l'instant. Les trois anglo-saxons vont rajouter une seule chose. Jésus marié avec Marie-Madeleine, ayant des enfants, qui donne des petits mérovingiens, et voilà le dernier. Pierre Plantard, voilà. De Saint-Clair. Et là, il a accepté ça, Plantard. Et là, justement, Plantard devient le manipuleur manipulé. Ouais. On n'assiste plus à un jeu surréaliste. Là, c'est autre chose. Ça devient une autre histoire et une manipulation bien plus grande, beaucoup plus grande. Dans les dossiers secrets, il y a une liste des grands maîtres du prieuré de Sion. Oui. Alors, dans cette liste, ils se sont pas tellement embêtés. Ils ont repris ce qu'un certain nombre de coteries de sociétés secrètes de l'époque, qui existent encore, ont d'une façon factuelle. C'est-à-dire, on prend les meilleurs dans l'histoire. Et alors, Léonard de Vinci, Isaac Newton, par exemple, on les retrouve dans d'autres sociétés secrètes assez connues. Cette liste a été faite copiée quasiment, à part les trois derniers grands maîtres, sur une liste rosicrucienne. Ils ne se sont pas embêtés, ils ont pris ça. Nous sommes dans une société depuis une quarantaine d'années où il y a une confusion totale et un amalgame perpétuel entre la réalité historique, l'art d'interpréter le symbole. Et là, je ne sais pas, il faudrait de nouveau des cours de Platon, etc. Et ça, c'est un petit peu gênant. Et ça fait partie aussi du succès de librairie, c'est qu'on mélange, on matérialise le symbole avec une certaine allégresse. L'histoire du baiser sur la bouche,
Il est évident que le baiser sur la bouche, dans le contexte, c'est le baiser d'initiation, comme chez les Templiers. L'histoire, l'histoire des Templiers en Angleterre, c'est une des quatre hypothèses qui ne sont que des hypothèses. C'est l'histoire de la bataille de Bannockburn en 1322 avec le roi Robert Bruce, où un certain nombre de Templiers, là encore, il n'y a pas beaucoup de textes, il n'y a même pas grand-chose, auraient participé à cette bataille. De là, ils seraient restés en Angleterre, et comme il n'y a pas eu d'arrestation de Templiers, à part deux ou trois à Londres, ils seraient restés en Écosse. Mais en fait, la chapelle Roselyne de la famille Sinclair, c'est plutôt une chapelle qui a une histoire concernant la maçonnerie. Il y a des sculptures avec, par exemple, des plantes qui viennent du Moyen-Orient, qui n'existaient pas à l'époque. L'histoire du complot ou du judéo-maçonnique avec les sociétés Alpha Gamat, Académie Latine et Priorité Sion. Par exemple, on disait que c'était l'obédience suisse Alpina qui avait édité les dossiers secrets. Bon, à l'époque, je suis allé voir le chancelier Jomini. Évidemment, il m'a dit, écoutez, on va suivre cette histoire parce qu'on n'y comprend rien, mais évidemment, ce n'est pas nous qui avons édité les dossiers secrets. Mais pourtant, sur le facsimilé déposé à la Bibliothèque nationale, c'est marqué édition Alpina. Donc, là aussi, c'est une façon de faire un processus d'amalgame et aussi d'attaquer la maçonnerie d'une manière générale. De même qu'on attaque l'Église catholique avec le concept suprême de la résurrection, on attaque aussi la branche régulière, les obédiences maçonniques d'Alpina et d'autres obédiences. C'est aussi parce qu'il y a une confusion, là encore, entre la réalité historique et le symbole. Le Graal est défini comme le Grazal, c'est-à-dire c'est la coupe du Christ ou l'émeraude de Lucifer. Et c'est défini en tant que symbole. Bon, mais là, avec l'énigme sacrée, on vous dit c'est le sang. C'est le sang du lignage fantasme des Mérovingiens, etc. Ça, c'est pas pareil. Là, on a une idée révisionniste. Là, on commence à truquer l'histoire. Il y a quand même, à travers l'histoire, il y a quand même eu trois phases bien distinctes. Une part de surréalisme avec vengeance. À la fin de l'énigme sacrée, ça devient politique. À la fin de l'énigme sacrée, on dit, mais il y en a quand même 20 pages, on dit, mais Plantard pourrait très bien, à l'époque, c'était il est comparé à l'Ayatollah Khomeini, on dit, il pourrait très bien y avoir un roi pour la France. Là, ça devient politique. Et puis, avec Dan Brown, il y a quelque chose, on voit que ça monte, c'est que le prieuré de Sion, là aussi, il est associé au protocole des sages de Sion. Et là, c'est plus de la rigolade, parce qu'on sait ce que ça a fait, les protocoles de sages de Sion. Le plus dommageable de l'histoire, c'est quand même... Le fait que Jésus soit marié avec Marie-Madeleine, c'est pas grave. Non, c'est pas ça. C'est qu'on attaque le concept de Marie-Madeleine, qui voit pour la première fois, qui établit le concept de la résurrection du Christ. Et ça, c'est tout le christianisme. Bon, ça, c'est l'idée perverse, subliminale, cachée. Bon, on fait beaucoup de fantasmes avec Jésus marié avec Marie-Jeanne, beaucoup d'enfants, etc. Mais derrière ça, c'est ça qui est attaqué. C'est le concept de la résurrection. Les ouvrages de Jean-Luc Chaumeil, qui travaille sur ces affaires depuis plus de 30 ans, je disais tout à l'heure. La table d'Isis ou le secret de la lumière. Avec le chapitre sur la mythologie de Rennes-le-Château, voilà. Et du prieuré de Sion, il y a 10 ans. Et le trésor des Templiers et son royal secret, l'éther.